Bonsoir tout le monde, ça va bien? Donc comme dit plus tôt, mon nom est Océane Terrien, j'ai 17 ans. J'aimerais partager avec vous ma plus grande passion, la musique. En vous interprétant une chanson qui, je pense, fait vraiment partie de mon histoire. C'est-à-dire que c'est une chanson qui parle de la persévérance et de la confiance en soi. Des atouts qui souvent on pense déjà avoir, mais lors d'obstacles de la vie, que ce soit des déceptions, des tristesses, on se rend compte finalement qu'on les a pas nécessairement, malheureusement. Mais je pense que quand on trouve la force d'être confiant, d'avoir foi en soi, je pense qu'on peut faire de grandes choses. Dépasser des limites qu'on n'avait jamais pensé avant pouvoir passer. Ça me fait penser à la chance que j'ai d'être ici ce soir, avec vous, et vous interpréter la chanson d'Alexandre Poulain, L'écrivain. J'ai grandi pas loin d'ici, dans le troisième arrondissement, où les rêves se font endormir. Une fois debout, on n'a plus le temps. Mon père gagnait sa vie à l'usine de Camaro, pareil comme son père avant lui, même qui posait le même morceau. Ma mère faisait des ménages, moi je rêvais d'être écrivain. Et plus de pelles et des nuages pour que le soleil brille enfin. Mais j'étais si mauvais à l'école que je pensais pas que j'y arriverais. J'étais pas le second traité de bol, même quand je donnais tout ce que j'avais. Mais il y avait monsieur Désilet, un profond et disponible, qui m'avait pris sous son aile. Il croyait en mon talent subtil. Dommage, ça n'allait rien changer. Je coulerai le test du ministère. Lundi, j'enverrai mon CV à l'usine de mon père. Mais la veille de l'examen final, le bon monsieur Désilet m'a tendu un crayon banal, roulé dans un velours épais. Et puis, tout en fixant ma main, il a dit, ce crayon-là, il est magique. Prends-le demain pour l'examen. Il sait les réponses et les répliques. J'suis pas du genre à croire tout ce qu'on me dit, mais mon prof m'inspirait confiance. Et je voulais croire un peu aussi que j'avais peut-être encore une chance. D'ailleurs, à la seconde où je l'ai pris, j'ai senti comme un changement. Je vous jure que je vous compte pas de mentir, non. Le crayon était vivant et contre toutes mes espérances, il écrivait pratiquement tout seul sans blague. Ça fait presque pas de sens de le voir danser sur les feuilles. J'ai donc passé mon examen comme un petit test de routine, avec quelque chose comme 80, presque aussi haut que mon estime. J'aurais dû rendre le crayon, j'étais quand même pas un voleur. Mais pour une fois que je me trouvais bon, puis que l'avenir était en couleur, j'ai mis le stylo dans ma poche, puis je suis parti en courant. La conscience aussi lourde qu'une roche qu'on brise pour en faire du ciment. Et au fil des années, je suis devenu l'auteur que j'espérais. J'ai même vendu dans le monde entier tous mes bouquins et mes essais. Mais avec le sentiment étrange qu'au fond, j'avais rien à accomplir. Le crayon vint que les pages blanches, moi, je n'étais que son outil. Je me suis mis à boire,
plus qu'il ne faut pour oublier que je n'étais rien, que je roulais dans un Camaro sur laquelle mon père faisait les mains. En plus, j'avais toujours peur qu'on me vole mon précieux crayon. Dénonce mon professeur, la science serait vraiment finie pour de bon. Il m'a retrouvé hier soir à une séance de dédicace. Tout autour de ses yeux noirs, le temps avait laissé sa trace. Je lui devais mon succès et des excuses comme de raison. J'ai dit, monsieur Désilé, vous venez chercher votre crayon. Il m'a souri tristement en disant, t'as toujours pas compris. Il est dans ta tête ton grand talent. Le stylo venait chez Uniprix. Laisse-moi te regarder maintenant. Je suis si fière de toi. Y'a pas un seul de tes romans que j'ai pas lu au moins trois fois. Moi, je me suis levée d'un coup, j'en croyais juste pour mes oreilles. J'ai pris mon vieux prof par le cou. La vérité me donnait des ailes tellement qu'en arrivant chez moi, j'ai jeté le stylo par la fenêtre. La lumière brillait sur les toits et les mots dansaient dans ma tête. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, non. J'ai écrit sans m'arrêter le nombre de feuilles que j'ai noircies. Je pourrais même pas les compter. Ça raconte l'histoire d'un petit gars qui a tellement pas confiance en lui, qui trouve plus facile de croire qu'un crayon peut faire de la magie. Car dans le troisième arrondissement, les rails volent pas très haut. On les laisse traîner sur un banc devant l'usine de Camaro. Et comme on entend la machinerie crier jusque dans le cours d'école, on comprend vite dès qu'on est petit que juste les oiseaux.